C'est ça. Donc on le recoupe en deux. Qu'est-ce qu'on laisse au maximum en 12 cm? De quoi? La largeur maximale que tu laisses toi. Non, mais là, tu divises en deux. Il Oui, y d'accord, mais il y a aura moins de vraiment, tu sang. laisses combien? Ouais, mais ça dépend. C'est du quartier ou de la dose, ça Ben dépend. daube. Il est Ça droit ton dépend. trait? Si tu me laissais filmer, ça dirait pas mal. Ça fait 90. Allez, on va dire 95. Ça te va 95? T'en fais un au milieu. Ouais, parce qu'on n'a pas une assez grande règle. T'as pas à régler? Fais gaffe à ce que tu dis, hein, parce que... Voilà, donc on a quasiment fini de tracer tout ce qu'il y avait à tracer. On vous reprendra après parce que moi j'ai utilisé la fiche de débit en mode normal. Et au final, c'est pas forcément une bonne chose. Donc Arnaud, il nous donnera 2-3 conseils. Parce que là, on s'est comme des. Voilà. Donc maintenant, on va tout débiter à la scie à ruban. Et ensuite, corroyage. Voilà. Et lui, il fait le con avec sa caméra. Oh, ça, j'enlèverai ça. Moi, je l'enlèverai pas. Je m'écoute, hein. Par terre, enfin, on les recoupera après, on fera du feu.
partie des pros. Arnaud, c'est bon, hein, la ponceuse, elle est là. C'est Outil des pros qui a livré. Elle a l'air en bon état. C'est un Mirka, là, t'as des roses. Par contre, moi, je passe un coup de fil à Étienne parce que la livraison, ça devient n'importe quoi. Donc, ah bah attends, j'ai un message du livreur, apparemment. Attends, je te le fais écouter. On va voir ce que ça dit. Bonjour, madame. Ah ouais. C'est le livreur Joufleur. Je vous ai déposé le colis proprement, hein, madame. Choufleur. Il est défoncé. Ah oui. Ouais, c'est livreur Joufleur, madame. Monsieur. Mais il n'y a pas de problème, madame. C'est le livreur au chou-fleur. C'est comme ça qu'on livre, nous. Écoutez, madame, vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Hein, je suis livreur au chou-fleur depuis 20 ans, madame, père et fils. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous avez ce message, c'est que je suis déjà parti. Oui, magnifique. J'appelle Étienne. Je vais lui laisser un message parce que... Ouais, Étienne, salut, c'est Jérémy. Ça va? Ouais. D'Ivoire, là, on voulait te remercier avec Arnaud là, pour la ponceuse. Mais juste, il faudrait que vous changiez de livreur. Parce qu'avant, ça se passait bien. Là, tu as pris une entreprise chou-fleur, là, ou je sais pas quoi. Enfin, il faut qu'ils apprennent à livrer, les gens. Donc, la prochaine fois, on en discute. Parce que si c'est pour me mettre des gars comme ça, ou des menuisiers belges, là, comme je vois des fois à la télé, on va pas s'en sortir, hein, tous les deux. OK? Allez, à plus. Oui. Oui, la Zeta, on attend encore un peu, on verra. Pour l'instant, voilà, on attend. Garde, mets-la de côté, ok? Allez, ciao. Livraison chou-fleur. C'est ouf, hein, quand même. Allez. Tu vois, moi, c'est pour ça que je remets toujours un coup de scie, parce que j'arrive pas à voir. Je suis ophtalmo. Hein? Bah oui. Ça dit quoi? Quoi? Attends, si c'est comme ça... Là, tu vois bien, il est propre, là. Le cœur, il est là. Oui. Donc, elle va faire ça. Ok. Donc il m'en faut une qui fait... Je sais pas, c'est toi qui m'apprends. Il faut une qui fait comme ça. Comme ça. Donc ça, ça va faire comme ça. Ça, on se sent pas. Ah, celle-là, qu'est-ce qu'il dit? Le cœur, il est là. Donc ça va faire ça. C'est ça qu'on veut jouer. Allez, c'est le moment du comment qu'on fait nous. Alors en fait, avec Arnaud, on va vous montrer... Arnaud va surtout me montrer à moi comment on fait un usinage avec la toupie. Donc là, on va faire un usinage, un bouffetage à enture multiple. Dans six, ouais. Voilà. Donc on va faire ça. Donc c'est ni un tuto, ni une formation, ni un guide de comment il faut faire, ni quoi que ce soit de ce que tu veux. C'est le comment qu'on fait nous. Point barre. Voilà. Ceux qui regardent ça, bah, vous n'hésitez pas. Si vous faites mieux que nous, enfin, surtout mieux qu'Arnaud, parce que mieux que moi, ça ne va pas être compliqué. Vous le dites, on ne va pas se vexer, nous. D'accord? Donc là, on a fait le marquage, là, enfin, l'établissement. L'établissement, voilà, c'est ça. Des bois. Voilà, il passe devant la caméra, c'est beaucoup plus simple. Donc, on a fait les signes d'établissement. Donc maintenant, on va tout usiner. On va pointer une fois la toupie. La totalité des bois, ils ont la même épaisseur. Donc, on va pointer la toupie. Arnaud, il va me montrer, c'est la première fois que je le fais. Et ça me permettra de le refaire à la maison. Ok? Et si on le fait mal, eh ben, tu fermes les yeux ou tu donnes des conseils. Voilà. Ok. Tu montes l'outil et nous, on va mettre une dent à fleur de l'arête de la pièce. Donc, nous, on a décidé de mettre celle-là. Hein. Toujours en montant, comme tous les outils qui tournent. Hein. Voilà. Pas mal. Et tu verrouilles. Tac. Voilà, inutile de dire que ça, c'est la pièce d'essai, c'est marqué, RAM. C'est bon? Oui. Donc, et en profondeur, ben, hein, tu pointes, hein, et là, normalement, on prend grosso modo la dent, voire un petit peu plus que la dent.
Il faut prendre plus que la dent. Ouais. Il faut prendre plus que la profondeur de la dent. On t'explique après pourquoi, mais sache-le. Mais là, je pense qu'on peut rentrer encore un peu, non? Non, non, ben, tu te mets en bout. T'es au plus long du fer. Là, t'es au plus long du fer. Là. Alors, viens-le comme ça. Non, non, on mange tout, là. On mange tout. Ah oui. Miam, miam, on mange tout. Voilà. Donc là, on fout l'entraîneur. Non. Ah bon? Attends. Donc, là, on a... Ouais, il y a une petite... Ouais. Oui, il y a une petite peau, mais ça rien, faut la laisser. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on fait, on remet la pièce, c'est ça ? C'est ça. Et en fait, on remet la table de sortie contre la petite arête. Mmh. Et puis c'est tout. Contre les dents. Contre les dents. Et là, normalement, on est bon, alors. Mmh. Ok. Maintenant, on règle l'entraîneur. Bon, t'excuseras le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière ici, mais tu devras faire avec. N'importe le parement au-dessus, en dessous, on s'en fout, mais... Attends, bouge pas. Je vais allumer ma caméra juste pour avoir le son. Bon, t'excuseras, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais tu feras avec. Alors, donc, nous, on a travaillé la pièce d'essai parement au-dessus. On est d'accord. Ok. Donc, vas-y. Donc là, tu vas tout plier. Cette arête. Ok. Cette arête. Cette arête. Cette arête. Celle-là. Et celle-là. Les autres. Retournement. Non. D'accord. Ce sera, quand on aura mis la bague, ce sera le... Ah oui, et après, les autres, c'est moins la bague. Ceux-là, c'est avec la bague au-dessus. Ouais. Et ceux-là, c'est la bague en dessous. D'accord. Ok, ça marche. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en mêler. C'est très clair. Donc, tu vas, dès que tu toupies un morceau... Tu le poses comme ça, tu réconcilies, tu toupies ton morceau, tu le reposes comme ça. Ouais. Tu toupies celui-là, tu le reposes comme ça. Ouais, faut pas se planter. Et après, quoi. Tu reprends dans l'ordre. Ok. C'est bon ? C'est très clair. On est parfait. Bien, avec la colle. Hein ?
Allez. Ah mais elle a bougé maintenant. Ah ouais, c'est vrai. Il y en a comme il faut, hein. Allez là. On sait pas que je vais arriver. Allez au guide maintenant. J'aime vraiment pas travailler. Fine, hein? Oui. Ah, ah. Oui. Je ne laisserai pas faire ma vidéo.